Bien le bonjour de Termas de Rio Hondo. La séance 1 ne va pas tarder, les pilotes s'apprêtent pour le départ. Nous allons bientôt savoir qui va décrocher les deux dernières places pour la deuxième séance de qualification. La météo... Les mécaniciens sortent la moto des stands et le pilote s'apprête à l'enfourcher. Thank you.
Nous nous rendons à l'entrée des stands où le pilote semble vouloir discuter avec son ingénieur. La réalisation nous propose le classement final, tandis que les derniers pilotes rejoignent la voie des stands. La première séance de qualification vient de se clore, donc nous allons basculer sur la deuxième séance de qualification de MotoGP. 12 pilotes s'affronteront lors des 15 prochaines minutes. L'équipe vient de terminer de préparer. Le pilote rentre au stand pour débriefer de la prochaine étape avec son équipe. Regardons le classement final de la deuxième séance de qualification de la catégorie MotoGP. C'est la fin de notre retransmission. Nous avons hâte de vous retrouver demain. Bienvenue à vous, fans de MotoGP, à Termas de Rio Hondo. Nous sommes en direct de l'Argentine pour la traditionnelle manche de MotoGP. Dans quelques temps, le week-end a été long, mais nous voici au moment que nous attendions tous. Il ne reste que quelques minutes avant le début de la course. Les conditions météo sont idéales pour la course, mais les pilotes se sont plaints du manque d'adhérence tout au long du week-end. Alors pour pallier ce problème, beaucoup ont choisi de monter un pneu dur à l'arrière.
Les pilotes ont achevé leur tour de formation et sont alignés sur la grille de Termas de Rio Hondo. Encore quelques secondes avant d'assister au départ du Grand Prix d'Argentine.
fin de cette course MotoGP marque également le terme de ce long week-end de course. Il ne nous reste plus qu'à jeter un œil sur le classement final de cette course. On se retrouve dans un instant pour la cérémonie du podium. Les pilotes profitent de leur tour d'honneur sous une pluie d'applaudissements. Nous nous rendons maintenant vers le parc fermé où les pilotes du top 3 arrivent tout juste. Le vainqueur est fou de joie et vient célébrer la victoire avec tous les membres de son équipe. Ce week-end fut bien chargé, mais l'heure est venue de célébrer les trois pilotes MotoGP qui ont su se montrer les plus talentueux. Le public rend un bel hommage à ces pilotes qui nous ont offert une superbe course.